Pour un tuto sur photo vidéo film 1969, je reviens d'idée avec vous. Je reviens d'idée pour vous pour la présentation de l'iPod Touch 6. T'inquiète. Bon, je vais vous montrer les caractéristiques de cet iPod. Donc, déjà, il est enduré. Je vais vous faire une comparaison à l'autre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est pas fait. Donc voilà, déjà vous avez un iPod. Donc, ça c'est 6. Il est allumé. Donc déjà, ce qui change. C'est la qualité des photos. Vous avez une capacité de photo qui est évidemment sur celui-là. Celui-là est moins performant. Alors, ici, vous avez la qualité de photo à 1 mégapixel. Et sur celle-là, ça, c'est la galerie. Donc vous avez. Voilà. Voilà, vous voyez. Voilà, et c'est petit, l'iPod est petit. Celui-là, je vais le tester pour vous. Je vais le retester pour vous. Je vais vous montrer. Je vais mettre en Wi-Fi, je vais vous montrer les capacités des photos et tout ça. Vous avez les contacts aussi. Donc, voilà, donc, vous avez ça. Voilà, donc déjà d'une là. Donc l'iPod 4 a une capacité de mégapixels. Vous voyez, vous avez son profil Insta ici. Je vous rappelle que j'ai un compte Snapchat. Et comme on a. Je fais mes. Voilà. Je vous rappelle que j'ai un compte Snapchat, c'est photo vidéo film 1969, c'est celui-là. Voilà. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi ce petit tuto sur l'iPod Touch 4 et l'iPod Touch 6. Maintenant, mettez un pouce en l'air, un pouce en bas, abonnez-vous et ça nous fera très plaisir. Et Romano le farceur revient en inédit.